Welcome back to the channel. Bienvenue dans l'épisode 2 de ma première télé-réalité et je vous explique tout ce qui s'est passé dans cette finale. Si vous avez raté le premier épisode, allez dans le lien dans ma bio. Sinon, bienvenue, c'est la finale. C'est le stress. Josh, le gendre idéal qui a fait sensation. Comment on dit Magali Berda est la plus belle en mandarin? Magali Berda est la plus belle. Fei Chang, Hao Kang. Non mais on dirait un prince de conte de fées. Prince de conte de fées? Arthur, hein. Mais seul l'un d'entre eux aura la chance de participer à la prochaine saison des princes et princesses. Même moi je stresse là en regardant ça, parce que je sais à quel point j'étais stressé. Ça se voit que j'ai en train de mordre mes lèvres et tout, tu vois. Parce que j'avais la bouche tellement sèche et j'avais pas d'eau juste avant. Va nous garantir à coup sûr de révéler qui, ce soir, va devenir prince ou princesse de l'amour. Alors qui décrochera cette fameuse couronne? Donc vous allez passer les uns après les autres au détecteur de mensonges. Non mais là, en fait quand Magali elle parle, elle fait un stress, je sais pas pourquoi, mais elle articule mot par mot, bah ça donne la frisson. Ça c'est ma main ça, je reconnais poil du bras. Es-tu capable de sortir avec une fille qui ne te plaît pas physiquement? De quoi cette question? Elle ressemble à Shrek? Bah... ça va être un peu compliqué quand même. Non. La machine dit... Ouais. On me demande, est-ce que tu préfères la gloire ou l'amour? Peu des deux. Ah, c'est honnête de sa part, très. Mais là, quand elle répond ça, c'est honnête de sa part, je lui dis, ah, bah, peut-être j'ai merdé, peut-être tu aurais pas dû répondre ça. Il le dit. La machine dit... vrai. Arrêterais-tu la musique par amour? Non. Ça, c'était une question de piège, c'était sûr. Si c'est une femme, elle me fait arrêter la musique, c'est ma passion, c'est mon travail, je comprends pas trop. Normalement, entre couples, ça se soutient, quoi. J'ai jamais vu la machine aussi calme, j'ai l'impression qu'il dit encore la vérité. As-tu menti au détecteur de mensonges? Non, pas une fois. Bien. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci, j'ai une honnêteté. Et là, je me demande, est-ce que les autres aussi, ils ont été honnêtes? On pouvait pas se parler dans le backstage. On pouvait pas se dire, ah, qu'est-ce que t'as eu comme question? Et là, on est tous en ligne, je suis à côté de Antoine, Kevin, il y a Safia, et aussi Yamina. Vraiment, c'était un plaisir de les avoir rencontrés parce que... Josh, malheureusement, tu dois quitter l'aventure. Tout simplement parce que... En fait, quand elle a dit mon nom, je pensais qu'elle a dit Josh, félicitations. Donc, c'est pour ça que je souris un peu. Une grosse révélation avec toi. Et je te cache pas qu'au détecteur de mensonges, on a été un petit peu déçus de tes réponses. J'étais trop honnête. On veut pas prendre le risque de se tromper parce que la place est très très chère. Et il y a des gens qui veulent vraiment, vraiment, et qui en ont besoin. Donc on veut pas prendre le risque. J'en ai besoin, moi. Célibataire depuis 1996... Je veux dire merci pour l'opportunité, c'était incroyable et peut-être à une prochaine aventure, on sait jamais. Ah, j'ai du mal à parler en fait parce que on est tellement sous un stress que c'est... Et là malheureusement, il y a mon nom qui tombe, Josh, tu rentres à la maison. Mais voilà, c'est comme ça. Mais je l'ai pris honnêtement, je l'ai pris avec un grand sourire parce que c'était ma première aventure. Je pensais pas venir jusqu'à la finale, donc pour ça j'étais vraiment vraiment flatté que... De tout le monde, ils m'ont choisi moi. Petite chanson de fin. And now, the end is near. And so I face. I did it my way. Et vous avez peut-être des questions. Est-ce que tu vas faire d'autres télé? Comment ça se passe? Alors oui, j'ai déjà filmé des autres télé. Je peux pas vous dire lesquelles. Tout ce que je peux vous dire, c'est que la prochaine, elle est sur W9 et en janvier. The end.